Your seed will be multiplied. Nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse. We're going to the book of Genesis. Tous nous avons lu et connu cette histoire. We read it, we know it. Genesis. Genèse. Genesis. Genèse est le premier livre de la Bible. It's the first book of the Bible. Oui, allons-y. Genèse le chapitre 26, à partir du verset 12. Il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupes. Attends d'abord. La Bible dit quoi? Au verset 12, la Bible dit quoi? Isaac fait quoi? Sema, souligne dans ta Bible. Isaac a fait quoi? Il a semé, souligne ça dans ta Bible. Oui, allons-y. Cet homme devint riche. Mm-hmm. Et il alla s'enrichissant. Et tu peux souligner, la Bible dit quoi? Cet homme devient quoi? Riche. Mm-hmm. Allons-y. S'enrichissant de plus en plus. S'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Mm-hmm. Il avait des troupeaux de menu bétail. Il avait des troupeaux de menu bétail. Et des troupeaux de gros bétail. Des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Mm-hmm. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père. Du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham. Son père. Son père. Les Philistins les comblaient. Les Philistins les comblaient. Et les remplis de poussière. Et les remplis de poussière. Souligne ça dans ta Bible. Allons-y. Et Abimelech dit à Isaac. Et Abimelech dit à Isaac. Va-t'en de chez nous. Va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Car tu es beaucoup plus quoi? Je n'ai pas entendu. Car tu as beaucoup quoi? Mm-hmm, allons-y. Isaac partit de là. Isaac partit de là. Et campa dans la vallée de Guérar. Et campa dans la vallée de Guérar. Où il s'établit. Où il s'établit. Isaac creusa de nouveau. Isaac creusa de nouveau. Dis les avec moi, Isaac creusa de nouveau. Mm-hmm. Les puits d'eau. Mm-hmm. Qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Son père. Son père. Et qu'avait comblé les Philistins. Qu'avait comblé les Philistins. Après la mort d'Abraham. Après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms. Et il leur donna les mêmes noms. Que son père leur son avait père donné. Leur avait donné. Mm-hmm. Les serviteurs d'Isaac creusèrent les encore. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore. Dans la vallée. Dans la vallée. Et ils trouvaient un puits d'eau et vive. Ils trouvaient un puits d'eau vive. Mm-hmm. Les bergers de Guérar. Les bergers de Guérar. Querèrent. Mm-hmm. Les bergers d'Isaac en disant. Mm-hmm. L'eau est à nous. L'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ések. Il donna au puits le nom d'Ések. Mm-hmm. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Parce qu'il s'était discuté avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits. Ses serviteurs creusaient un autre puits. Au sujet duquel. Au sujet duquel. On chercha aussi une querelle. On chercha aussi une querelle. Et il l'appela. Et il appela. Sitna. Sitna. Mm-hmm. Il se transporta de là. Il se transporta de là. Et creusa un autre puits. Creusa un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas de querelle. Pour lequel on ne chercha pas de querelle. Et il l'appela. Rehoboth. Il appela Rehoboth. Qu'a dit-il? L'Éternel nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons, dans le pays. Dans le pays. Mm-hmm. Il remonta de là à Beersheba. Il remonta de là. Mm-hmm. L'Éternel lui apparut dans la nuit. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Et dit. Et dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Ton père. Ton père. Ne crains point. Ne crains point. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta à cause d'Abraham, mon serviteur. D'Abraham. Mm-hmm. Il bâtit là un autel. Il bâtit là un autel. Invoqua le nom de l'Éternel. Invoqua le nom et il dressa sa tente. Et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac. Et les serviteurs d'Isaac. Ils creusaient un puits. Ils creusaient un puits.
Abimelech vint à Guéra. Abimelech vint à Guéra. Auprès de lui. Avec Ahuzzath, son ami. Et Picol. Chef de son armée. Isaac leur dit. Pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez. Et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit. Nous voyons que l'Éternel. Que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi. Nous disons. Qu'il y ait un serment. Entre nous et toi. Et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité. Que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Acclame très fort le Seigneur pour la parole. Alléluia. Dis avec mon semence. Parle bien. Dis avec mon semence. C'est seed. Je ne t'entends pas. Dis avec mon semence. C'est seed. Que Dieu nous bénisse. God bless you. Je disais que ta semence, I said your seed, se multipliera. Will be multiplied. Dis un amen plus fort. Say amen well. La Bible dit. The Bible declare. En Genèse. In Genesis. Le chapitre 26. 26. Le verset 12. A 12 verse. La Bible parle d'une histoire. Talk about a story. Que nous avons eu l'opportunité de lire. We got the opportunity to et read de côtoyer. And to understand. Nous avons eu l'opportunité d'entendre plusieurs révélations. We got the opportunity to have a mais ce qui revelation. Me marque dans ce passage. What shocked me this scripture? Et pour ta vie en cette année. For this year, this life. Pour ta destinée en cette année. For your destiny of this year. J'aimerais dire à quelqu'un. I wanted to tell you. Écoutez-moi bien. Listen to me. Par l'image. Through the image. Et par cette illustration. And of this illustration. D'Isaac. Of Isaac. La Bible dit, the Bible says, Isaac sema, Isaac sow, dans ce pays, in that land, et Isaac sema, Isaac sow, et la Bible dit, the Bible says, Isaac va récolter quoi? Le multiple de ce qu'il a fait quoi? The multiple, qu'il a semé, hundredfold time. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Say amen well. Il y a deux choses. There are two things. La première des choses. The first thing. Qu'est-ce que Isaac a fait? What Isaac did? Non, parle avec moi. Qu'est-ce qu'Isaac a tell fait? Me. Parle bien. Qu'est-ce qu'il a fait? What he did? Il a semé. He sow. Quelqu'un dit amen bien. Say amen well. Et la Bible dit il sema où? Where? Dans le pays. In the country. Quelqu'un m'entend bien? Say amen well. La troisième chose que vous allez voir. The third thing. La Bible dit. The Bible says. Cette année. That year. Qu'est-ce qu'il a fait? What he did? Qu'est-ce qu'il a fait? What he did? Qu'est-ce qu'il a fait? What he did? Il récolta quoi? Yeah, mais est-ce que la Bible nous a dit l'année prochaine? They say next year. Suivez-moi très bien. Did they say next year? Est-ce que la Bible dit l'année prochaine? Did they say next year? Et cette année, nous avons baptisé quoi? Année de quoi? What yes year we said? De moisson. A year of harvest. Dis amen bien parce que say je vais aggraver well. Les choses. I'm going now. Dis un amen plus fort parce que je vais aggraver les choses. Now I'm going. J'ai compris par ce passage. I understood this scripture. Et dans la vie de tous les jours. In the life of every day. Nous rencontrons des personnes. We meet people. Qui ont l'habitude. Who are used to. De sans travailler. Not working. Et vouloir réussir. And want to succeed. Écoute-moi bien. Listen to me. Si tu ne sèmes pas. If you don't sow. Tu ne pourras jamais récolter. You can never harvest. Isaac a eu le temps de semer. Isaac sow. Isaac a eu le temps. De semer. I got the time to sow. Et j'aimerais vous dire, I wanted to tell you, lorsque nous sèmons, when you sow, nous pouvons avoir plusieurs graines. We can have many times. Mais parmi ces multiples graines, all don't make no il y a d'autres graines qui n'arrivent pas à fleurir. Some seed cannot il y a d'autres graines qui meurent en terre. Some seed can die il y a on d'autres graines qui ne sortent plus. Some seed cannot come il y a out. D'autres graines qui ne germent pas. Some seed will not mais grow. Il y a une seule graine qui germe. J'aimerais dire à quelqu'un, I wanted to tell Isaac you. A semé seulement une seule fois so et il a récolté le sentier. And de ce qu'il a semé. Dieu ne te demande pas de semer plusieurs fois. So mais ta seule semence va produire plusieurs fruits. Many fruit. Je suis en train d'annoncer.
annoncer à quelqu'un. Isaac a semé. Cela veut dire quoi? Il a travaillé. Il a semé. Il a travaillé. Oh, l'homme mangera à la sueur de quoi? De son front. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Cette année, celui qui travaillera, c'est celui qui mangera. Celui qui sèmera, c'est celui qui va récolter. Quelqu'un n'a pas dit un amen et bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen et bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen et bien. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas sémé. C'est celui qui a sémé qui récolte. La Bible dit, Isaac a sémé dans ce pays. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans cette nation. Peut-être que tu es né ici. Certains ne sont pas nés ici. Mais la Bible déclare, Isaac a sémé dans cette nation. Ce pays peut ne pas être ton territoire. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Ce n'est pas forcément de la nation que Dieu te bénira. Mais Dieu te bénira dans une terre étrangère. Isaac a semé sur une terre étrangère. Il a récolté. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Tu es sur une terre étrangère. Mais tu n'as pas le même sort que certaines personnes. Je te condamne à la réussite. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire amen plus fort. You say amen well. Écoute-moi bien. Listen to me. La Bible déclare. The Bible declare, Isaac sema. Isaac so. Il a semé. So. Et l'année ne s'est pas achevée. The year was not il a récolté. But the mais vous allez comprendre le parcours d'Isaac. You may understand lorsque Isaac était en train de creuser des puits, la Bible déclare. Des gens se levaient contre lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On versait du sable. On remplissait son puits pour l'empêcher. Mon Dieu, mon roi, de récolter. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Lorsque tu es en train de s'aimer, les gens n'ont pas vu la souffrance. Ils n'ont pas vu la douleur. Ils n'ont pas vu tes efforts. Mais ce sont eux dans le secret. Ils sont en train de tout organiser pour détruire ce que tu as semé. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dans la semence, il y a ce qu'on appelle les rongeurs. Les rongeurs viennent la nuit pour détruire ce que tu as semé. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Ils peuvent tout détruire autour de toi. Mais ce que tu as planté, personne ne peut détruire ces choses. Quelqu'un me donne un amen de bien. Qui dit un amen plus fort? Il y a une semence. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Do you hear what I'm saying? My God. Mon Dieu. Dis amen plus fort que ça. Say amen well. Dis amen plus fort que say ça. Say amen well. Oh. Mathieu, est-ce que tu sais? Do you understand? Que nous-mêmes, we ourselves, nous sommes une semence. We are a seed. Oh. Quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire? Is anybody hear what I'm saying? Nous sommes une semence. We are a seed. Que Dieu a injecté ici. God has put here. C'est pourquoi nous sommes retrouvés ici. That's why we found our mais vous allez remarquer que nous sommes plusieurs qui ont été une semence. Mais il y a certains qui sont morts. Il y a certains qui n'ont pas pu prospérer. Il y a certains, oh my God. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible déclare qu'il y a plusieurs appelés. Mon Dieu, mon roi. Mais il y a peu de lui. Il y a des gens, oh my God. Il y a des gens qui sont l'exception de Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La mort peut frapper à gauche, à droite. Mais la Bible dit tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu la gloire de Dieu. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un, tu ne mourras pas sans que tes yeux n'ont pas vu la demeure, la construction que tu as dans ton cœur se réaliser. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Peut-être que tu as construit une maison, les sociaux de ta famille veulent t'empêcher de dormir dans ta maison. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Eux-mêmes seront enterrés dans la fosse qu'ils ont creusée. Celui qui dit un amen est bien, je vois l'eau au my God. Ainsi. Alléluia. Amen. La Bible déclare. The Bible declare. Lorsqu'il creuse. When they dig. Et ce qui est bizarre. The strange thing. On le suit de près. They follow him. Dis avec moi, amen. On le suivait de quoi? They were following. De près. They were following. Lorsqu'il finit de creuser. When he finished digging. On se prépare à faire quoi? À détruire ce qu'il a fait. To come to destroy. Dis un amen plus fort que ça. Say amen well. Dis un amen plus fort que ça. Say amen well. Je n'attends pas ton amen. Dis un amen plus fort que ça. Hallelujah.
Écoute-moi bien. Sur cette terre, dans cette nation, il y a des gens qui te suivent, qui regardent tout ce que tu es en train d'entreprendre et ils te souhaitent le mal. Ce que tu feras va échouer. Les gens disent que tu ne seras rien. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible déclare, toute offense contre toi sera sans effet. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais. Dis un amen plus fort que ça. Say amen well. Dis un amen plus fort que ça. Say amen well. Écoute-moi bien. Say amen well. Dis avec moi Isaac Sema. Isaac Sema. Parle bien, dis Isaac Sema. Say Isaac Sema. Est-ce qu'on m'entend? Dis Isaac Sema. Say Isaac Sema. Oh mon Dieu, mon roi. My Lord, my God. Dis un amen plus fort parce que je veux aggraver quelque chose. Say I want to go further. Amen well. Dis avec moi Isaac Sema. Isaac Sema. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, strength, au lieu de demander comment tu as fait pour arriver à ce niveau, on cherche à te détruire. Mais je suis venu it. T'annoncer une bonne nouvelle. Ils vont beau chercher à te détruire, mais tu ne mourras pas. Ils vont beau chercher à t'anéantir, mais tu ne mourras pas. Écoute-moi bien. Chose bizarre, c'est my God. Écoute-moi. Chose bizarre, c'est le projet d'Isaac qu'ils ont voulu détruire. Mais ils ont oublié une seule chose. Isaac ne marchait pas lui seul, mais l'Éternel était avec lui. Quand Dieu est dans ton affaire, cela prospérera toujours. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé dans ta vie. Je suis venu annoncer à quelqu'un, mon Dieu, mon roi. My Lord, my God. Oh. Écoute-moi. Listen to me. Il y a deux fermiers. There are two farmers. Dis avec moi deux fermiers. Two farmers. Il y a deux fermiers. There are two farmers. Et il y a un fermier. One farmer. Parmi les deux fermiers, among both, qui allaient prier, were going to pray, pour que la pluie descende, for the rain to come. Or il n'avait pas semé. He didn't sow. Et l'autre fermier, another one, il a semé. He sowed. Et il allait prier, he went to pray, pour que la pluie descende, for the rain to come. Entre les deux fermiers, qui va dire qui Dieu va exaucer? Who God will hear? C'est qui Dieu va exaucer? Who God will hear? C'est qui? Who God will hear? Celui qui a semé. Et qui fait quoi? Où? Qui attend la pluie. Je suis venu annoncer à quelqu'un, si you. Tu ne sèmes pas, la pluie ne va pas descendre. C'est ta semence qui attire la pluie. La pluie qui est le symbole de la bénédiction. Mon Dieu, mon roi, je suis venu annoncer à quelqu'un, je ne sais pas combien d'années tu as semé dans ce pays, combien d'années tu as fait du bien à des gens, combien d'années tu as travaillé pour des personnes, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a une pluie qui est en train de s'abattre. Cette pluie va descendre sur toi et ta semence va se multiplier. Celui qui tient la main est bien. J'appelle l'opération multiplication dans ta vie. Au nom de Jésus. Come and show it. Come and show it. Dis amen bien. Amen. Je ne t'entends pas. Dis un amen de bien. Dis un amen plus fort que ça. C'est amen well. Oh. Ce qui est bizarre, c'est strange. On ferme le puits qu'il a creusé. They close the well he has. Et quand il se déplace, but when he moves, il creuse encore un autre puits. Dig another well. On vient, qu'est-ce qu'on fait? Well, come and do what? Et ce qui est bizarre, the strange thing, arrivé à un certain moment, he reached a time, on ne ferme plus. They don't close. On cherche à faire quoi? Parlable avec lui. We want to fight on cherche à se quereller avec they lui. Want to fight with him. Quelqu'un dit un amen bien. Amen. Écoute-moi. Listen. Il y a des choses qui peuvent t'arriver dans ta vie. I think can happen to you in life. Qui ne sont pas causés par les hommes. Cannot souvent, tu ne comprends pas pourquoi. Sometimes you don't understand. Il y a ce bruit autour de toi. The noise around. Laisse-moi te dire une seule chose. Let me tell c'est you. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Because you have a c'est parce que price. Tu es le choix de Dieu. Les gens ont peur de te voir réussir. C'est pourquoi quand ils te voient, ils sont dans la tourmente. Ils sont troublés. Mais laisse-moi vous dire une seule chose. On ne peut pas allumer la lampe pour mettre la lampe sur le poisson. Quelqu'un dit un amen et bien. Tout le monde verra ton étoile briller. Tout le monde verra, oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année-ci, c'est l'année Isaac a semé, il a moissonné, l'année ne s'achèvera pas. Tu vas semer et tu vas moissonner. Oh. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen plus fort que ça. Alléluia. 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 La Bible dit on le querellait. Mais ce qui est bizarre, dis avec moi bizarre. Strengthen. Si c'était toi, if it was you, tu allais t'arrêter. You would have stopped. N'est-ce pas?
Tu allais abandonner. Mais qu'est-ce qu'Isaac a fait? What Isaac, la Bible dit, the Bible say, pendant qu'il sème, also, il devenait quoi? He became riche. Rich. Et il allait en faisant quoi? En s'enrichissant. Je suis en train de dire à quelqu'un, mon Dieu, mon roi, plus on te pousse, on te pousse vers l'élévation, tu marcheras dans la richesse et tu t'en iras en devenant encore plus riche. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui, on te voit pauvre, mais tu deviendras riche. Ta seule semence se multipliera au nom de Jésus. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Dis à ton ami, tu feras peur à tes ennemis cette année. You scare your enemies, say to your friend. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, tu feras peur. You scare your enemies. Oh. Ah, 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 ah. Quelqu'un n'a pas entendu. You didn't Écoutez-moi hear. Bien. Le plus souvent, most of the time, oh mon Dieu, mon roi, Lord, j'étais allé rencontrer un grand homme de Dieu. I met a man en Côte d'Ivoire. In Africa, j'étais sur le banc. I was de tous ceux qui devaient le voir, there, qui devaient le recevoir. Et il y a un monsieur qui est arrivé. A man came. Je ne connaissais pas cet homme. I didn't know that et man. Quand cet homme est arrivé, when he came, cet homme était dans les affaires de voitures. He was a business il vendait cars, les voitures. Quelqu'un tient la main de bien. Et quand il est venu, when he came, il était bien simplement. I was dressed simply. Il s'est approché de moi. He came near me. Il m'a dit, mais c'est toi qui as acheté telle voiture. Is you bought this car l'année passée dans mon garage. Next year in my garage. Je lui ai dit, attends. I said, il dit, si c'est toi. He said, ça yo, va bien, sir. Monsieur, tu te portes bien. How are you? Oh, en ce temps, je n'avais pas de voiture. At that time, I was not having any car. En ce temps, at that time, je m'étais débrouillé même pour venir rencontrer l'homme de Dieu. I managed to come. Oh, c'était une prophétie qui devait se réaliser. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les paroles que les hommes ont confessées sur toi, ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir et cela va se réaliser. Ce qui est bizarre. The strange things. Ce qui est bizarre. The strange things. Dis avec moi bizarre. The strange things. Parle bien, dis bizarre. The strange things. Ils l'ont chassé. They sack him. Ils lui ont dit de quitter they le lieu. Go away. Et pendant qu'il quitte, as he went il away, ne sort pas du pays. He didn't go away. Laisse-moi te dire une chose. Des gens ont voulu que tu quittes le pays. People, ils ont même intercédé pour qu'on te rapatrie. Plus tu pires, tu continues à prospérer. Plus tu pires, tu continues à avancer. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu ne quitteras pas cette nation sans que ton projet ne se réalise. Celui qui dit un amen est bien, je vois la gloire de Dieu arriver sur toi. Mathieu, je vois quelque chose. I see something. Dis papa, qu'est-ce que tu vois? Say daddy, what are you seeing? Dis qu'est-ce que tu vois? Say what are you seeing? Pendant que les gens sont en train de te voir échouer, and people are seeing toi vois la réussite qui est devant toi. You see success. Je suis en train de dire à quelqu'un, I'm telling you, celui qui échoue, c'est celui qui réussit. Celui qui est abaissé, c'est celui que Dieu élève. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Si tu n'as pas été humilié, tu ne peux pas être relevé. Je prophétise sur quiconque croit ce soir. Je vois l'élévation de Dieu arriver sur ta vie. Quand vous lisez bien le passage, when you read the scripture well, la Bible déclare, the Bible declares, Isaac était assis quelque part. Isaac was sitting il somewhere. Était dans un endroit. Somewhere. On l'avait tellement causé des querelles. They fight against on l'avait so tellement much. Attaqué. They attack him so il much. Était assis dans cet endroit. Sitting there, la Bible déclare, the Bible declares, Abimelech lui-même, Abimelech il va se lever. Stood, il va s'approcher de lui. Ils vont venir vers lui. Ils vont dire à Isaac, aujourd'hui, today, nous sommes arrivés là. Parce que nous avons vu que l'Éternel marche avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh mon Dieu, mon roi, ceux qui n'avaient pas cru en toi, ils viendront vers toi, ils confesseront de leur bouche que l'Éternel marche avec toi. Nous avons vu que Dieu est avec toi. La Bible déclare, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui sera contre eux? Je suis en train de dire à quelqu'un. I'm telling you. Cette année. This year. Il y a des choses que tu vas vivre. There are things you experience. Dis amen plus fort que ça. Say amen well. Dis amen plus fort que ça. Say amen well. Dis amen plus fort que ça. Say amen well. Dis amen plus fort que ça. Say amen well. Quelqu'un dit amen plus fort que son voisin. Say amen well. La gloire de Dieu arrive jusqu'à the toi. The glory of the Lord is coming. Alléluia.
C'est Emmanuel. Alléluia. C'est Emmanuel. Ce qui me paraît bizarre. The strange things. Chose bizarre. The strange things. Quand la moisson approche. When the harvest is coming. Tu te poses la question. You wonder. C'est une seule graine. Only one que j'ai porté en terre. Mais je vois un arbre qui est sorti de la graine. Je vois des branches qui sont sorties de la... Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ta sémence. Ta sémence. Produira des fruits. Ta sémence. Produira des résultats. Tu n'as pas semé en vain. Si tu as semé dans ce ministère, je vois Dieu multiplier ta sémence. Je suis en train de dire à quelqu'un. Peut-être que tu as semé des sommes d'argent. Tu as donné de tout ce que tu avais. Mais je prophétise ce matin. C'est cette année que Dieu a choisi. Et cette année que Dieu a décidé. Afin de te récompenser. J'ai dit tes efforts seront récompensés en cette année. Satan veut, ils ne veulent pas. Les sorciers veulent, ils ne veulent pas. Mais c'est trop tard pour tes ennemis parce que tu as de l'avance sur eux. Au nom de Jésus. Ce qui me plaît dans ce passage. What I like with this scripture. Isaac ne parlait pas. Isaac was not talking. Pourquoi Isaac ne parlait pas? Where Isaac was not talking? Parce qu'il savait que la semence, the seed, n'était pas le puits. Was not the well. Mais la semence d'Isaac s'est retrouvée en lui. Isaac was, oh, quelqu'un n'a pas dit un amen et bien. Say, man, il y a des choses qui se trouvent en toi. Et la promesse de Dieu se trouve en toi. Écoute-moi bien. Ils ont arraché la tunique de Joseph. Mais ils n'avaient pas arraché le rêve de Joseph. Tu peux fermer tout ce que j'ai construit. Détruire tout ce que j'ai construit. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce que j'ai construit ne vient pas de moi. Mais cela vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Que Dieu lui-même fabrique ton élévation. Te lève de position. Personne ne peut te rabaisser. Personne ne peut changer le ainsi dit de Dieu qui est sur ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est écrit est écrit. Ce que Dieu a décidé est décidé. Ce que Dieu a déclaré est déclaré. On veut, on ne veut pas. C'est ce qui va se réaliser, s'accomplir dans ta vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, cette année, tu moissonneras. Alléluia. Amen. Dis un amen et bien. C'est Emmanuel. Dis un amen plus fort que ça. C'est Emmanuel. Dis un amen plus fort que ça. C'est Emmanuel. Dis un amen plus fort que ça. C'est Emmanuel. Ce qui est bizarre. The strange things. Dis bizarre. C'est le strange thing. La Bible ne s'est pas arrêtée au fait qu'il était riche. The Bible didn't stop that. Mais la Bible dit quoi? The Bible says. La Bible dit quoi? Bible says. Il s'en alla, n'est-ce pas? He was going. Mais ce que je vais te faire comprendre. What I want to let you know, understand? Isaac ne partait pas simplement. Not only going. Mais sa semence qu'il avait faite là. The seed we did. Lorsqu'il était béni, qu'est-ce qu'il faisait? When we were blessed. Il sema encore. He sowed again. Quelqu'un dit amen bien. Say amen. Cela veut dire quoi? It means what? Plus tu sèmes. More you sow. Qu'est-ce qui se passe? More you harvest. Plus tu sèmes, parce que qu'est-ce qui se passe? More you sow. Plus tu travailles, qu'est-ce qui se passe? More you work. Plus tu as plusieurs boulots, qu'est-ce qui se passe? More, je prophétise que peut-être que tu veux 3 boulots, tu veux 5 boulots. Mais je déclare que cela va t'arriver. Ton argent va augmenter. Ta sémence va se multiplier. Quelqu'un me donne un amen et bien. Je prophétise la multiplication dans ta vie. Au nom de Jésus. A prophesy multiplication for you in the name of Jesus. La Bible, il alla en s'enrichissant. He was going to become more. Et arrivé à certain moment. He reached up time. Vous savez, il y a un dernier mot qui arrête la richesse. The last word. Vous savez c'est quoi? Do you know what? Vous savez c'est quoi? Do you know what? Vous savez c'est quoi? Do you know the last word? Si c'était un autre temps, on allait l'appeler quoi? We will call me if you have a time. On allait l'appeler quoi? What are we going to say? Dans la classe des riches, il y a quoi? The rich, among the rich. Il y a les millionnaires, n'est-ce pas? There are millionaires. Il y a les milliardaires, n'est-ce pas? There are billionaires. Dis bien, répète avec moi, parce que je sais que tu seras milliardaire. I know you will be billions. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, je sais que tu seras milliardaire. On commence par quoi? Les millionnaires. Dis avec moi, millionnaire. Après millionnaire, on commence par quoi? Après? Billions. Non. Multimillionnaire. Multimillion. Après multimillionnaire, on descend où? And go to billions. Milliardaire, n'est-ce pas? Et après milliardaire, il y a quoi? After having go to billions. Mais est-ce qu'après multimilliardaire, il y a un mot encore? Est-ce qu'il y a un mot encore? Non, je n'entends pas. Est-ce qu'il y a un mot encore? Il y a un endroit où Dieu va te positionner. Aucun ennemi. Oh my God.
personne ne va te rattraper à cet endroit. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel va te positionner au-dessus de la tête de tes ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien, ce que tu auras ne sera pas pour toi, mais Dieu le fera pour ton entourage. Tout le monde viendra manger chez toi. La Bible déclare, oh mon Dieu, mon roi, tu ne demanderas pas, mais on viendra emprunter chez toi. Je prophétise ce matin, ceux qui n'avaient pas cru en toi, ils viendront chez toi, ils vont venir emprunter chez toi. La Bible dit, il devenait encore quoi? Mais Baba, c'est fort riche. Mort riche. Il devenait quoi? Mort riche. Fort riche. Cette année, personne ne pourra te rattraper. Nobody will be able to take. Parce que tout ce que tu as semé, whatever you sow, oh mon Dieu, l'Éternel a rassemblé toutes ces choses comme un paquet. Et tu auras toutes tes récompenses en cette année. Tu seras doublement béni en cette année. Tu seras rassasié en cette année. Ce que tu n'as pas demandé à Dieu, l'Éternel te donnera en cette année. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu ne t'attendais pas à un travail quelconque, mais cela va arriver en cette année. Peut-être que tu as postulé quelque part, on t'a refusé le boulot, mais je vois la porte s'ouvrir maintenant. En cette année, tu témoigneras. En cette année, des événements t'arriveront. En cette année, tu réussiras. En cette année, tu ne vas plus pleurer parce que c'est des larmes de joie qui vont couler de tes yeux. En cette année, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. En cette année, ce que tu ne pouvais pas voir de tes propres yeux, tu les verras au nom de Jésus. Dis un amen et bien. C'est Emmanuel. Isaac n'est pas mort. Isaac didn't die. Non. Si les querelles tuaient, Isaac était mort depuis. Si les disputes tuaient, Isaac était mort depuis. Mais Isaac n'est pas mort. Parce qu'il croyait à la promesse de Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un, celui qui a la semence de Dieu en lui ne meurt pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Au nom de Jésus. Ce que j'aimerais dire avant de terminer. What I want to say before ending. Dis un amen bien parce que je vais aggraver les choses. So I want to go further. Oh. Est-ce qu'il y a un Isaac parmi nous ici? Is there any Isaac among us? Est-ce qu'il y a un Isaac parmi nous ici? Est-ce qu'il y a un Isaac parmi nous ici? Dis avec moi, c'est le temps de ma moisson. Parfois, dis, c'est le temps de ma moisson. Je ne t'entends pas, dis, c'est le temps de ma moisson. Oh, oh, je ne t'entends pas, dis, c'est le temps de ma moisson. Ce qui était bizarre, Dieu ne se cache pas pour bénir quelqu'un. Dis un amen plus fort que ça. Dieu ne se cachera pas pour te lever. Dieu n'a même plus fort que ça. Oh mon Dieu, mon roi. Regardez l'histoire de David. La Bible déclare que David était derrière les champs, derrière les animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète pouvait aller dans les champs pour le oindre. Mais la Bible dit, allez le chercher. Mais ils sont allés le prendre pour faire quoi? Pour le présenter devant ceux qui ne croyaient pas en lui. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est devant ceux qui ne croyaient pas en toi que Dieu va te lever. Je dis que cette année, tu seras présenté, tu seras couronné de gloire. Celui qui dit un amen est bien. Je prophétise une accélération dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh. Oh. Devant eux. La Bible dit, allez le chercher. Go and look for devant him. Ceux qui l'avaient poussé. For those who push ceux qui l'avaient chassé. Those who suck ceux qui avaient rempli, fermé ses puits. La Bible déclare, il devenait fort riche devant eux. Devant tes ennemis, tu seras riche. Devant ceux qui ne croyaient pas en toi, tu seras riche. Devant les sorciers de ta famille, tu seras riche. Je vois Dieu te lever. Est-ce que tu sais que la honte tue? Do no shame can kill. Est-ce que tu sais que la honte tue? Do no shame can kill. Dis amen bien parce que je veux dire quelque chose. Say as amen because I want to go. Vous savez? You know? Les hommes peuvent pronostiquer la mort sur vous. Man can pronostic. Les hommes peuvent pronostiquer que le projet que vous avez commencé ne va jamais aboutir. Your project will not succeed. Il y a plusieurs parmi nous
qui ont commencé des projets dans leur pays et ça n'a jamais abouti. Quelqu'un dit un amen, viens. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé dans ton village qui a dit, tant que je serai en vie, tu ne vas pas finir de construire ta maison. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un, il sera en vie, il verra que ta maison a été achevée et que tu dors dans ta maison. Maintenant, il n'aura plus la force de venir vers toi parce que la honte va l'enterrer. J'annonce à quelqu'un que tes ennemis vont mourir de honte. Ils seront enterrés de honte. Celui qui me donne un amen et bien, cette année tu moissonneras. Mon Dieu, mon roi. Je sens que ça ne va même pas arriver dans le mois de mars. Mais je vois quelque chose de Dieu arriver en toi. Oh mon Dieu, mon roi, le mois d'avril n'arrivera pas. Le mois de mai n'arrivera pas. Le mois de juin n'arrivera pas. Tu marcheras dans la gloire. Tu témoigneras. Je suis en train de voir des gens. Les statuts changer. Tu auras du boulot cette année. Celui qui marche dans la gloire, déplace-toi, dis je marche, je prospère. Je vois la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Parce que j'ai semé, je veux moissonner. Parce que j'ai semé, je moissonnerai. Au nom de...